Ouais, ça c'est peut-être ce qui se dit toujours à l'extérieur, forcément qu'on attend beaucoup des deux équipes chaque fois. Mais bon, on est en début de saison. Je pense que notre début de saison est bon, même si on peut toujours faire mieux, parce que comme vous l'avez dit, on a fait deux matchs nuls. Mais forcément qu'on pourra et on devra s'améliorer. À tous les niveaux, de toute façon. J'ai pas envie de dire ce que les équipes sont en train de se chercher. On s'est trouvé. Le seul truc, c'est que mieux, on peut faire mieux et on va faire mieux. Et je crois que pour Paris, c'est la même chose. Tout ça, mais si yo, de todas formas, siempre he pensado esto de Hazard, que es un jugador determinante. Es un jugador que puede hacer en pocas. Situaciones hacer la diferencia, lo ha demostrado y yo creo que el hecho que ahora está con nosotros, él quiere demostrar y yo creo que va a ser un muy bueno jugador. No quiero comparar, no quiero, porque no me gusta comparar, pero yo creo que va a ser importante, un jugador muy importante en el Real Madrid y su futuro va a ser seguro. Formidable. Plus qu'une frustration, c'est plus une grande détermination de pouvoir faire quelque chose. Parce qu'il sait dans quel club il est arrivé. Il sait que c'est un club ambitieux. On sait que de toute façon, il faut qu'on soit tout le temps bon. Il n'y a pas de place pour autre chose. Et lui, il a le caractère, il a la personnalité pour ça, donc bon, il n'y a pas de souci, il faut le laisser juste travailler, arriver, et après vous verrez bien ce qu'il va faire. Que siempre piensa en Karim, en el jugador que mete gol. Et Karim no es solo eso. Karim lo está haciendo últimamente, está marcando más, es muy decisivo, pero no es lo más importante. Y yo pienso que no es lo más importante, porque es un jugador de equipo. Y lo demuestra cada partido. Y a mí me interesa más eso. Luego, cada uno opinan y las cosas. Yo creo que es un jugador fantástico, como te decía el entrenador. Y pienso lo mismo. Yo lo quiero siempre en mi equipo. Luego, cada uno opina. Lo más importante es nosotros, y sabemos que Karim es un jugador importante, pero también los demás lo son. Y es un equipo y nosotros tenemos que pensar solo y como equipo. Enfin, je sais que justement, ils ont fait le chemin inverse. Moi, ce que je peux souhaiter à Keller après le match, c'est de lui souhaiter une. J'ai beaucoup de respect pour lui, beaucoup d'admiration, il le sait. Tout ce qu'il a fait pour le Real Madrid. Maintenant, ce que je lui souhaite, c'est surtout bonne chance pour la suite et avec son équipe.